Je suis Jay, je suis un ancien journaliste et aujourd'hui je travaille dans l'industrie du jeu vidéo de manière plus étroite. J'étais avec deux excités du bocal, donc c'est un peu compliqué. Mais du coup, non, on s'est bien entendu. Je pense qu'on a fait une bonne équipe. Comment dire, l'objectif a plus qui était atteint puisqu'on s'était fixé 30 000 avec Benzaï. Et on a atteint plus de 32, donc on a fait environ presque 10 000 euros. Voilà, on a uni nos forces et de toute façon, l'objectif c'est vraiment pour les enfants malades, les aider à réaliser leurs rêves, aider les petits princes. À un moment, quand on a parlé du défi qui était, parce que j'ai pas les cheveux comme ça en règle générale, hein, et mes comparses non plus d'ailleurs, on s'est dit, bon, on a placé la barre assez haute en se disant, bon, peut-être que les gens vont pas y aller. Et finalement, ils y ont été et du coup, on a dû se colorer les cheveux tous les trois. Donc, objectif accompli une fois de plus. Moi, j'ai une petite notoriété, mais qui est un peu has-been maintenant. Donc, j'ai des gens qui me suivent, mais ces gens-là, ils ont de l'argent. Donc, tu vois, ça permet de pallier. Mais les gens qui ont une grosse visibilité, qui ont des grosses communautés, évidemment qu'ils doivent venir et ils doivent marteler en permanence le message. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour gagner de la thune, ils ne sont pas là pour s'en faire sur le dos des gens, ils ne sont pas là pour améliorer leur réputation ou je ne sais quoi. On n'est pas dans du blanchissement d'intérêt personnel. Ils sont là pour faire gagner de l'argent à l'association. Point. Et donc, ils ne doivent avoir que ça en tête. C'est ce qu'on dit toujours. Il y a des gens qui font jusqu'à 100 000 viewers sur YouTube. Si chaque viewer mettait 1 euro, on serait déjà à 100 000. Tu vois ce que je veux dire? Bon, on sait très bien qu'on va être aux alentours de 30%, mais eux, ils ont vraiment une possibilité presque trop facile qui nous dégoûterait parce qu'on est obligé de déployer des efforts, de se grimer, de faire n'importe quoi pour réussir à faire quelque chose. Eux, ils ont juste à claquer du doigt et au lieu d'atteindre 50 000 balles, avec des gens comme ça, on pourrait attendre 200 000 balles. Et si chacun remplissait vraiment sa fonction. Bah nous, on aura toujours autant de plaisir à faire les marioles et les débiles mentaux pendant toute une nuit, s'il le faut, quitte à se déguiser, à se faire bizuter, etc. Mais on fait ça parce qu'on n'a pas le choix. Eux, ils peuvent le faire facilement. Donc, qu'ils utilisent leur notoriété dans le bon sens du terme. Parce que s'ils sont là, c'est aussi grâce aux gens.